Il récolte des signatures donc, pour passer le matrice en autant le son que l'image sont nécessaires à l'histoire. Le TGV de ce soir, Lanterneau, je vais y aller. Cet élément fondamental, il me paraît, en histoire, qui est ne pas savoir comment ça va finir. Vous n'êtes pas du genre cause, hein. Les choses sont difficiles pour moi, Satan. Nous sommes séparés avec une amie. On se fréquentait depuis 10 ans. C'est d'ailleurs étrange comme les choses prennent du sens lorsqu'elles finissent. C'est parce que c'est là que l'histoire commence. Comme une grande. Frappa la grenouille de sa baguette et soudain, la princesse était là. L'imparfait fabrique une image présente, monsieur. Ouf. Tout problème profane en mystère. À son tour, le problème est profané par sa solution. Ce n'est pas un hasard. Comment, ça ? Oui. Il y a l'entrée de service et l'entrée principale. Eux, ils entrent par la grande entrée dans l'appartement du monde. Et ils nous laissent l'entrée de service, monsieur. Les mots. Par notre usage de la parole, nous sommes amenés à constater que les mots nous présentent des idées. L'homme fabrique des idées. C'est un téméraire fabricant d'idées. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui découle de cette faculté humaine. Encore un mot. Mademoiselle. Vous connaissez la phrase de saint Augustin. La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Oui. Je pense à quelque chose. Quand je pense à quelque chose, en fait, je pense à autre chose, toujours. On ne peut penser à quelque chose que si on pense à autre chose. Par exemple, je vois un paysage nouveau pour moi, mais il est nouveau pour moi parce que je le compare en pensée à un autre paysage, ancien celui-là, que je connaissais. Voilà comme tout s'évanouit dans mon histoire. Comme il ne me reste que des images de ce qui a passé si vite, je descendrai aux Champs-Élysées avec plus d'ombre comme n'en a jamais emmené avec soi.